Le 19 août 1871, Pierre Dufourcq, le dernier coutelier d'Espelette, s'éteignit dans sa demeure familiale. Près de lui, il y avait sa femme, Dominica, et ses amis, le chocolatier Jean Carriat et le boucher Pierre Lard. 147 ans plus tard, nous avons retrouvé un de ses couteaux basques, simple et rustique. Sur la lame, le coutelier d'Espelette avait gravé son nom et celui de son village. Il y a plus qu'un morceau d'acier, de bois ou de corne dans un tel couteau, beaucoup plus. C'est le lien entre les générations lorsque le couteau était un objet de transmission.